Princesse, aujourd'hui on se trouve encore pour une recette très simple, donc ce sera pour faire un cake jambon fromage. Pour ça il nous faut 200 g de farine, 200 g de dés de jambon, 200 g d'emmental râpé, d'un sachet de levure, de 3 œufs, d'un verre de lait et de moutarde si vous aimez ça. Première étape, donc j'ai mis ma farine dans un saladier. Ensuite, j'y ajoute mon sachet de levure. Un peu de poivre, mais ça c'est facultatif. J'ai mélangé un peu, ensuite je viens casser mes 3 œufs. Je commence à mélanger le tout. Ensuite, je viens incorporer mon verre de lait petit à petit. Vous pouvez le faire en 2 ou 3 fois. Une fois ma pâte bien lisse, je viens y ajouter mes dés de jambon. Puis mon fromage râpé. Donc moi là c'est de l'emmental mais n'importe quel fromage fera l'affaire. Prenez celui que vous préférez tout simplement. Et après je viens mettre un peu de moutarde, l'équivalence d'à peu près une cuillère à soupe. Et ça après c'est selon vos goûts, si vous préférez que ce soit léger ou plus important, ou ne pas en avoir du tout, c'est vous qui voyez. La préparation est déjà prête, il suffit de mettre ça maintenant dans un moule à cake. Donc moi je ne l'ai pas beurré parce qu'il est en silicone, mais si jamais votre moule est dur, n'oubliez pas de bien le beurrer et de le fariner. Mon four était à préchauffer à 180 degrés, et là c'est parti pour une cuisson de 30 minutes. Et voici le résultat de notre cake. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye !